Ça, on a le droit de manifester et c'est un droit qui est utilisé régulièrement par tout le monde. Mathieu est avec toi, 3216. Oui, bonjour. Que pensez-vous de cette marche? Alors, qui n'est pas alors, il faut être honnête, officiellement, LFI n'a pas repris l'idée de cette marche. Hein. C'est Adrien Quatennens, un ex-député qui a mis ça sur la table. Louis Boyard soutient l'idée. Rappelons quand même qu'Adrien Quatennens est très proche de Jean-Luc Mélenchon. Mathieu, qu'en pensez-vous? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Après, je veux bien qu'on colle pas la bannière et les filles à cette demande de rassemblement, mais il me semble que Quatennens était un proche de M. Mélenchon. On parle du monsieur qui était condamné pour violence conjugale, non? C'est ça aussi? Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas pu se représenter. Il y a une pression aux candidats du RN qui, eux, peuvent se représenter même en ayant fait des prises d'otages. Non, mais là, je pense que c'est pas le débat, parce que sinon, après, on peut parler aussi du fichier S à Avignon, etc. Ouais, ouais. Triple. Lui, il a été élu. Triple fichier S. Donc, triple, excusez-moi, oui, c'est vrai, trois fois. Bon, alors, restons sur cette marche. Non, mais moi, je pense que c'est complètement nul et irresponsable. Je vais vous dire pourquoi, parce que depuis dimanche, j'entends on a gagné. Bon, ils ont gagné en faveur d'un scrutin à deux tours avec des désistements et des reports. C'est ce qui leur a juste permis à cette coalition grande gauche de présenter 162 députés. Aujourd'hui, ce qu'on entend le plus, c'est quand même la LFI, qui aujourd'hui aurait combien à peu près la moitié, je crois, c'est ça, sur cette coalition de gauche? Un de plus que la moitié. Un de plus que la moitié, d'accord. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est bon, le temps de... On va faire des manifestations, on va marcher vers l'Élysée pour faire plier Macron. Mais faut arrêter, Monsieur Macron, il a dissous, il a très bien fait ce qu'il voulait faire en faisant croire qu'il nous donnait la parole. Et finalement, ok, les urnes ont parlé, mais il continue à faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Et je ne pense pas que ce soit en appelant à manifester à cette espèce d'insurrection, le peuple, qu'on va arriver à faire quelque chose. Donc, moi, pour moi, la Ve République, elle est morte depuis qu'on a passé le septennat au quinquennat, mais ça, personne ne l'a dit. Parce que la gamelle, elle est trop bonne, donc on y reste. Donc, la Ve République, laissons M. de Gaulle tranquille. Il est temps d'aller vers une Sixième République et de revoir ce mode de scrutin. Mode de scrutin qui n'est pas adapté aujourd'hui, parce que c'est un tout petit peu trop facile. Premier tour, je vote pour. Second tour, j'élimine. On ne peut pas passer notre vie à faire des fronts républicains. Oui, hein. Vous savez, on fera le barrage au premier tour. Là... Au premier tour, on n'a pas de barrage à faire contre le RN, mais les Français feront le barrage au premier tour à la place de le faire au deuxième, tout simplement. L'idée, c'est d'arrêter de peut-être faire barrage. Rien, ça ne changera rien, en fait. Les chiffres auraient été grosso modo les mêmes. Mathieu a raison, l'idée, c'est peut-être d'arrêter de faire barrage, de voter pour... Quand il n'y a qu'un seul tour, tu votes pour la personne de ton choix. Si c'est le principe des deux... Si c'est un tour. Les Européennes, excusez-moi. On s'en fout des Européennes. Non, mais les Européennes, on s'en fout pas, puisqu'effectivement, il n'y a qu'un seul tour, et vous avez raison. Les gens, ils ont voté pour... Oui, mais je veux dire, les gens ne sont pas impactés par la vie des Européennes. Normalement, oui, mais enfin, c'est pas comme la vie de notre Parlement. Non, on pense qu'on n'est pas impacté, mais là, je pense que c'est juste une méconnaissance. Vous avez raison. Parce que tout est décidé là-haut. Bien, d'accord. Pas tout, donc, mais... quand on a eu ce soulèvement des agriculteurs, que je comprends, hein, d'accord, que je comprends tout à fait, parce que j'ai des amis qui sont agriculteurs, bon, il faut juste revenir à la PAC. On revient aux origines et on sait très bien que c'est compliqué, c'est très très compliqué de faire changer quelque chose parce que beaucoup de choses sont décidées là-haut. Donc ça, c'est une méconnaissance. La PAC dont on profite beaucoup. Aussi qu'on profite beaucoup, mais je pense que là, c'est une méconnaissance. Qui nous permet d'exporter plus qu'on importe. On est aussi le premier contributeur. Merci, on ne va pas revenir. Là, on s'éloigne un peu du sujet. Oui, on s'éloigne. Merci Mathieu, j'ai bien compris. En tout cas, vous dites, il faut sans doute revoir les institutions parce que ça nous entraîne vers ce système. D'accord avec ça, Mathieu, je suis d'accord avec vous et je pense que c'est dans les cartons. Je pense que c'est dans les cartons. Benoît Payan, le maire de Marseille, a effectivement fait allusion il y a très peu de temps et on sait tous ici autour de cette table et au micro que Benoît Payan est un proche d'Emmanuel Macron, qu'une réforme serait dans les cartons. Et ça, c'est sûr que ce serait beaucoup... Ils avaient promis de la proportionnelle. Oui, il va falloir qu'ils fassent à un moment. Oui, bah là, clairement, on ne peut plus. Comme dit Olivier, on ne peut pas... ça fait depuis maintenant 10 ans, 15 ans qu'on vote contre et qu'on vote plus pour, à part en 2017 où on a cru en Macron. Certains en tout cas. Hein ?
Certains, en tout cas, oui, mais certains, même au deuxième tour, souviens-toi, au deuxième tour, comme il était face à Marine Le Pen, la gauche a beaucoup voté pour Macron. Exactement. Et déjà, cette gauche-là disait, attention, Macron n'a pas le mandat pour appliquer son programme. Mmh. Et c'est un argument qu'on peut renvoyer aujourd'hui, Étienne, à la gauche, en disant, la gauche n'a pas le mandat pour... C'est ce que tout le monde fait, d'ailleurs. Oui, mais c'est pareil. Oui, donc ça montre bien que le Front Républicain, alors ça empêche le RN d'arriver au pouvoir, très bien, mais derrière... Ça affaiblit globalement la politique. Nos institutions et la politique. Parce que c'est-à-dire que plus personne ne peut appliquer son programme, puisqu'on est toujours... On a toujours ce procès en disant mais attendez, on a voté pour vous, mais pas pour le programme. Et ça nourrit de la frustration d'un peuple qui est de plus en plus en colère. Et on a des électeurs qui ne sont jamais contents. De moins en moins contents. Sauf à penser que s'il y avait une révision de notre constitution, il faudrait aussi une révision de la façon de diriger. Par exemple, pourquoi n'imagine-t-on pas en France que l'on puisse fonctionner à partir d'accords ? D'accord, comme ça se fait dans d'autres pays, il y a très peu de pays où il y a des majorités absolues. Mmh. Il y a souvent des majorités dans lesquelles on est obligé de trouver des accords au cas par cas, selon par exemple sur le cas du droit à mourir dans la dignité, on sait qu'on ne trouvera pas d'accord avec la droite et l'extrême droite sur ce sujet, mais on sait qu'on peut trouver un accord avec le centre, avec la gauche. Sur d'autres projets, on sait qu'on peut trouver un accord, notamment sur nos positions vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de l'Ukraine. Oui, mais sur des sujets essentiels comme l'économie, le régal, etc., tu n'arriveras pas à des accords. Si, mais justement, c'est ce que je dis. Je pense que là-dessus, nos élus, les gens qu'on envoie comme députés, doivent commencer à réfléchir à une autre façon de diriger, à une autre façon de faire de la politique. Et je pense que qu'on sera extraordinairement déçus si, encore une fois, ces gens qu'on a élus n'arrivent pas à s'entendre pour faire avancer le pays. Nicolas est avec nous au 32-16. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde, bonjour les grandes gueules, bienvenue à votre nouvelle Anne. Nicolas, vous êtes électeur du Nouveau Front Populaire. Exactement, oui. Est-ce que vous craignez, comme le craint Adrien Quatennens, c'est aussi Louis Boyard, les craignent, que Emmanuel Macron va vous voler votre victoire en quelque sorte ? Il n'y a pas de victoire, Olivier. Oui, mais c'est la question que j'ai posée à Nicolas. Oui, tout à fait, il y a une petite victoire quand même, bon, malgré tout le nombre... Vous êtes arrivé en tête, voilà ce que je veux dire. Voilà, oui, bon, ça reste une victoire quand on arrive en tête en général. Oui, non, pas ici. Que ça s'appelle une victoire. Non, pas ici, non, première vue. Non, j'appelais surtout, effectivement, pour défendre M. Liebig, avec qui j'étais totalement d'accord sur le fait que on pointe toujours la LFI et que vous oubliez quand même que depuis le départ, la NSP est un groupe de... cartel. Comment ? Un cartel de gauche. Ouais, un cartel si vous voulez, mais la gauche a toujours été unie depuis toujours, en fait, sur les gros scrutins. La difficulté, en fait, c'est que personne domine, en fait. C'est-à-dire qu'avant, c'était le PS qui dominait. Il y a eu pendant longtemps le Parti communiste, et puis à partir des années 80, c'est le PS qui est devenu très dominateur. Et aujourd'hui, le problème, c'est que... Alors, les Insoumis ont eu la main à partir de 2017, puisque Mélenchon a fait des bons scores à la présidentielle, mais on voit bien qu'aujourd'hui, cette main, il est en train de la perdre. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui se joue, et c'est pour ça que Mélenchon est à fond. Il était hier à l'Assemblée, il n'est pas député, mais maintenant, il assiste à des réunions avec des députés. Et donc, le PS est en train de manœuvrer pour reprendre le leadership. Sauf qu'ils sont à touche-touche en nombre de sièges. Comme les règles ont été établies dès le départ, j'étais plutôt d'accord avec Lionel dans la mesure où, comme les règles sont établies dès le départ, si la LFI est pour l'instant au niveau de nombre de sièges majoritaires... Ouais, mais c'est pas sûr. De quelles règles parlez-vous, Nicolas ? Que normalement, celui que l'on présenterait en tant que Premier ministre serait issu du groupe majoritaire. C'était la règle. Ah oui, voilà. D'accord. Sauf que c'est pas sûr qu'il soit majoritaire dans une semaine, vous allez voir. Ah oui, d'accord, ça, je suis d'accord, ça manœuvre. Il y a des manœuvres, en ce moment. Effectivement. Donc, dans ce cas-là, les filles n'auront qu'à se taire. Mais je veux dire, ils revendiquent la place pour l'instant parce qu'ils sont premiers, c'est logique. Oui, c'est ça, ils ne veulent pas s'imposer, en fait. Sauf que vous avez vu, Nicolas, se met en place. Il y a eu le barrage au RN et maintenant veut se mettre en place à l'Assemblée le barrage à LFI. J'ai entendu d'ailleurs des députés macronistes dire on va faire barrage à LFI. C'est le nouveau barrage en fait. Bah c'est normal. Ouais, voilà. Est-ce que tout le monde a fait barrage à la Macronie ? Ça c'est sûr, à première vue, on est tous d'accord que de la droite à la gauche, on est tous plutôt à essayer de mettre dehors M. Macron. Malheureusement, il essaye de s'imposer avec des nouveaux arrangements qui peuvent marcher, pourquoi pas, hein. S'il y arrive, ça marchera. Mais par exemple, j'ai entendu dire s'il aussi... S'il arrive au bout, il faudra espérer qu'il conduise mieux la France aujourd'hui. J'ai entendu dire Sophie Binet, de la CGT, qui s'était mobilisée pour le nouveau Front Populaire, donc deuxième syndicat de France à CGT, commencer à dire, attention, il y aura des grèves générales
si le résultat n'est pas respecté. Donc on va peut-être, si jamais c'est pas la gauche qui arrive au pouvoir, mais une coalition, enfin bon, moi j'y crois pas trop à la coalition, mais entre la droite et le centre, mais entre la droite et le centre, est-ce que le pays peut être paralysé, Antoine Diers? Moi je pense que c'est le but, pardon. Moi je pense que c'est une posture de chantage. Les JO approchent et je pense que nous rentrons dans une période de chantage, mais très clairement. La marche gauche, est le premier step. On peut arriver c'est sûr. À un blocage du pays en plein été. Pour une fois, je vais être un peu envieux de la gauche. Cette capacité à s'allier, même s'ils n'ont rien en commun. Et ensuite, cette capacité sur un score en demi-teinte de réussir à faire le forcing. On va marcher sur Matignon, on va mettre tout le monde en grève pour prendre le pouvoir. Il y a cette capacité à prendre le pouvoir par le terrain. Mais je trouve aujourd'hui le RN particulièrement faible dans ses prises de parole, etc. Ils ont pris un coup sur la tête. Mais oui, mais aujourd'hui, il faut aller être à la tête. Marine Le Pen et Jordan Bardella, à mon avis, sont en dépression. Ils sont en cellule psychologique en ce moment. Oui, mais ils doivent relever la tête et dire « Nous, ce qu'on veut, c'est voter tel texte sur l'immigration, par exemple. » Ils parlaient d'un référendum sur l'immigration. Ils devraient occuper le terrain en disant « Nous, on soutiendra un Premier ministre qui fera un référendum sur l'immigration. » Le RN fait sa rentrée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'on va plus les écouter. Anne, donc toi, tu te dis « Attention, il peut y avoir effectivement des mouvements sociaux importants si ceux qui ont voté pour le nouveau Front Populaire ont l'impression de se faire avoir en quelque sorte. Mais de toute façon, c'est la grande rhétorique de la gauche et de la gauche extrême, c'est qu'elle est dans la rue dès qu'on n'est pas d'accord avec elle. Et que de toute façon, elle préempte tous les sujets et elle considère qu'elle a raison sur tous les sujets et qu'il n'y a pas de compromis possible. Mais c'est à double tranchant, parce que s'il n'y a personne dans la rue, c'est pas bon non plus. Mais toujours dans la compromission, je suis désolée. Bah, la rue, c'est moins important quand même que le vote. Oui, mais la rue, absolument. Je suis désolée. Mais la rue, c'est un piège. C'est-à-dire que la rue, si jamais, on fait une marche vers Matignon pour se faire entendre, si jamais il y a 1 million de personnes, c'est formidable. Si jamais on est 150 000, c'est pourri. Et donc, automatiquement, ça décrédibilise le combat. Donc, il faut faire très attention aussi à tout ça. Alors, on va regarder le résultat de notre consultation, cette marche vers Matignon proposée par Adrien Quatennens. Est-ce qu'elle est irresponsable ou non? C'était la consultation sur une vingtaine de minutes sur le compte X. Vous dites irresponsable à 55,4, mais c'est assez partagé. Et qu'elle vienne d'Adrien Quatennens n'est pas anodin quand même, hein.